Dovolte mi tady přivítat pana Lika Lévyho, který je kulturním radou francouzské ambasády a ředitelem francouzského institutu v Praze. A srdečně tady vítám hlavního hosta dnešního večera, kterým je Annette Vieviolka, francouzská historička, a vy se jí jistě představí pan Lévy, kterému předávám slovo a vám přeji hezký večer. Děkuji moc. Pour lutter contre l'oubli, chacun d'entre nous doit essayer de garder la justesse et la précision des mots. Chère Annette, bonsoir. Je commence ainsi avec vos propres mots. Chère Annette, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir et d'avoir le privilège d'échanger avec vous ici à Prague, dans ce bel endroit qu'est la bibliothèque Václav Havel, dans le cadre du cycle en partenariat avec le think tank Europeum que nous avons intitulé 1968-2018 Paris-Prague, l'Europe des contestations, consacré notamment à l'héritage de l'année 1968, aux héritages de l'année 1968, ce qu'il a signifié dans le parcours d'hommes et de femmes, et où nous en sommes aujourd'hui en Europe, en 2018. Chère Annette, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes certainement l'une des plus célèbres historiennes françaises de la Shoah, de la mémoire de la Shoah, et une spécialiste de l'histoire des Juifs en France et en Europe. Directrice de recherche émérite du CNRS, vous avez publié notamment 1945, La Découverte, sur la découverte des camps nazis par les Alliés en avril et mai 1945, à travers les témoignages de deux correspondants de guerre. On citera parmi vos livres L'incontournable, l'ère du témoin, de même que Déportation et génocide entre mémoire et oubli, et 1961, le procès à Eichmann. De votre parcours, vous avez rendu compte dans un long entretien avec Séverine Nickel, publié sous le titre « L'heure d'exactitude », publié chez Albin Michel en 2011. Avec votre accord, chère Annette, je m'en inspirerai pour nos échanges ce soir. J'évoquerai avec vous les moments fondateurs et les tournants dans votre itinéraire de femme engagée et d'historienne sur les liens complexes entre le témoignage, la mémoire et l'histoire vécue. Je disais, chère Annette, en introduction, que votre venue s'inscrit dans ce cycle que nous avons mis en place, consacré au socle commémoratif de 1968. Ma première question sera donc la suivante. En mai 1968, à Boulogne-Billancourt, banlieue parisienne, vous êtes devant les usines Renault, vous avez 20 ans, vous voyez les ouvriers debout à Califourchon devant le portail de l'usine. L'image de la classe ouvrière en lutte. Vous dites, dans ce livre d'entretien, que cette scène a été fondatrice pour vous. Alors ma question, elle est toute simple. Pourquoi ? Bon, merci Luc. Je suis vraiment très heureuse d'être à Prague, d'être sous le portrait de Václav Havel. Je dois très mal prononcer, mais ça a été une des grandes figures aussi pour les Français, l'écrivain et l'homme politique. Et voilà, donc en 68, j'ai effectivement 20 ans et je suis étudiante en lettres à la Sorbonne. Et par l'effet d'un certain nombre de hasards, je me retrouve dans un groupuscule maoïste. J'aurais été dans un groupuscule. Le hasard, c'est pas le groupuscule. J'aurais été dans un groupuscule marxisant,
le hasard, ce n'est pas le groupuscule, c'est que ce soit le groupuscule maoïste. Car très souvent, le fait de rejoindre tel ou tel groupe tient à des rencontres et ne tient pas à une réflexion idéologique très puissante. Alors mai 68 en France, qui n'est pas tout à fait la même chose que mai 68 ici, c'est d'abord un mouvement étudiant qui commence dans une université qui vient d'être construite à l'extérieur de Paris, à Nanterre. Et c'est un mouvement de type libertaire, de type anarchiste. Et le leader, et je crois que vous allez l'inviter, c'est Daniel Cohn-Bendit. Et ça commence par une histoire extrêmement importante. C'est que dans la cité universitaire de Nanterre, si les filles ont le droit d'aller dans les dortoirs des garçons, les garçons n'ont pas le droit d'aller dans les dortoirs des filles. Et c'est ça, la revendication pour les garçons de pouvoir aller chez les filles, qui va déclencher un mouvement qui est d'abord un mouvement étudiant. À l'époque, moi je suis étudiante. Et puis petit à petit, par ce mouvement étudiant va croiser un mouvement ouvrier qui a commencé bien avant mai 68. Depuis 67, il y a des grèves ouvrières. Pourquoi en province d'ailleurs, davantage qu'à Paris. Et en 68, le mouvement va s'étendre et va devenir un mouvement de grève avec occupation des usines. Alors le groupuscule maoïste auquel j'appartiens dit les étudiants, c'est des bourgeois, c'est des petits bourgeois. Le vrai moteur de la révolution, c'est la classe ouvrière. Donc nous, nous n'avons pas à être au quartier latin, nous devons rejoindre la classe ouvrière. Et le symbole des luttes ouvrières et de la classe ouvrière, c'est les usines Renault de Boulogne-Billancourt. Donc nous allons en cortège, ce qui est quand même une marche assez importante, de la Sorbonne jusqu'à Boulogne-Billancourt. Et quand nous arrivons, les grilles de Boulogne-Billancourt sont fermées, parce que si les étudiants aimeraient que les ouvriers viennent avec eux, les ouvriers, eux, n'ont pas du tout l'intention d'aller avec les étudiants. Mais les ouvriers sont debout sur les grilles et immédiatement j'ai un flash. Je revois les photos du Front populaire, c'est-à-dire du grand mouvement ouvrier qui était en même temps un mouvement antifasciste de 1936. Et pour moi, c'est fondateur parce que c'est le moment où je décide que la littérature n'a pas grand sens. Donc je vais quitter mes études de lettres, après avoir quand même eu une licence de lettres, pour choisir l'histoire et pour m'engager pour finalement peu de temps, si je regarde ça à l'échelle de ma vie, une dizaine d'années, dans ce mouvement pro-chinois. Très bien, merci. Donc, je vous dirais que pour moi, en tout cas, c'est un peu difficile de faire le lien entre la fin et l'historienne que vous êtes devenue. Et donc, si je comprends bien, la maoïste d'une vingtaine d'années qui va d'ailleurs partir construire le socialisme réel en Chine. Mais effectivement, vous le dites, la première aventure intellectuelle après 1968 est pour vous celle du maoïsme et de l'engagement pro-chinois. Alors je crois que vous vivez vos 20 ans dans cette illusion, dans ce qui deviendra pour vous, pour reprendre le titre de l'ouvrage de l'auteur croate, Ante Ciliga, que vous citez par ailleurs, Un voyage au pays du mensonge déconcertant. Et cette expérience initiale, après laquelle débutera votre vie de recherche, est restée, je pense, une expérience marquante, indélébile. Et vous dites d'ailleurs avec humour, enfin je vous cite, dans ma chambre étaient affichés les posters de Marx, Lénine et Ho Chi Minh, mais je n'avais quand même pas osé faire entrer Staline à la maison. Je crois même que vous en êtes venu à apprendre par cœur certaines citations du Petit Livre Rouge. Alors comment aujourd'hui comprendre un tel engagement? Comment
Comment rendre compte en 2018 ? Alors, effectivement, j'avais les grands posters dans ma chambre de ces trois personnages. Je vais un peu détourer peut-être Ho Chi Minh des trois. Parce que pour ma génération, Ho Chi Minh, c'était la guerre du Vietnam. Et je crois que dans tout le mouvement étudiant partout, en Allemagne, aux États-Unis, il y a eu ce soulèvement contre ce que faisaient les États-Unis au Vietnam. Et je pense que même si nous n'avons pas vu quel type de leadership, pour parler comme aujourd'hui, menait la lutte de libération au Vietnam, il est certain que je suis toujours d'accord là, avec moi-même sur le fait que la guerre qui a été menée par les États-Unis au Vietnam, très longue, était une guerre avec des massacres, avec des crimes de guerre, avec des choses qui étaient masquées à la population américaine et dans laquelle les jeunes gens américains ont perdu la vie ou sont devenus fous, alors qu'il y avait la certitude que cette guerre serait perdue. Donc il y a eu cette guerre au Vietnam qui a mobilisé absolument toute la jeunesse européenne contre la guerre. Et il y avait dans le même temps ce qui se passait en Chine. C'est-à-dire, pour parler comme les Chinois, la grande révolution culturelle prolétarienne, à partir de 1967. Alors, cette grande révolution culturelle prolétarienne, nous l'avons vécue en France. Il y a vraiment eu une Mao-latrie qui a bien largement dépassé les jeunes gens que nous étions. On l'a interprété comme, enfin, le vrai communisme. On allait créer un homme nouveau, un homme qui soit à la fois un ouvrier, un manuel, un intellectuel. On allait supprimer la différence entre la ville et les campagnes. Et c'était aussi l'image qui était donnée, était celle de la grande révolte de la jeunesse. Alors Staline, pourquoi je dis que je n'ai pas osé faire entrer Staline à la maison ? C'est parce que la litanie maoïste, c'était Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao. Dans le stand maoïste à la Sorbonne, occupé en 68, il y avait y compris le portrait de Staline. Dans la librairie pro-chinoise qui existe toujours, qui est une librairie chinoise, qui est boulevard de Sébastopol, sans doute boulevard de Sébastopol, qui s'appelle le Phénix, on vendait les œuvres de Staline. Aux éditions de Pékin, ça coûtait presque rien. Donc Staline était quand même un grand personnage. Mais dans ma famille, qui était une famille juive immigrée, enfin de juifs immigrés de Pologne, mon père et son père aussi, qui était mort à Auschwitz, étaient très anticommuniste, mais vraiment anticommuniste pour de bon. Mon grand-père, qui était un écrivain yiddish, avait écrit une nouvelle qui s'appelait La pieuse Bella, qui racontait comment Bella était pieuse, elle ne trouvait jamais un juif assez pieux pour elle, jusqu'au jour où elle fait travailler en usine, où elle devient communiste, elle ne trouve jamais un communiste assez communiste pour elle. Donc il y avait un anticommunisme absolu. Pour mon père, qui était, social-démocrate, vraiment, le communisme, c'était pas possible. Et puis, il y avait aussi toute la conscience de l'antisémitisme qui avait perduré en Union soviétique, que vous avez aussi eu en Tchécoslovaquie au moment du procès Sansky, donc de toutes ces années-là. Alors, l'avantage de la Chine, c'est qu'il n'y avait pas de juifs. Donc on avait un communisme où il n'y avait vraiment pas de juifs et où quand vous parliez avec des Chinois il fallait, donc il y a deux mots existants chinois, hein, yota, et je me rappelle encore comment ça se dit, mais il fallait d'abord expliquer ce que c'était parce qu'ils ne savaient même pas ce que c'était. Donc c'était assez confortable de ce côté-là. Toutefois, alors que vous êtes en Chine, vous avez dit que vous avez... assez rapidement mesurer le décalage entre la propagande et la réalité.
que vous avez saisi très vite aussi le cordon sanitaire, une sorte de cordon sanitaire qui était établi autour de vous. Vous dites par ailleurs, et ça m'a frappé, je vous cite encore, décrivant cette réalité que vous vivez en Chine, « on voit et on ne voit pas, on voit et on ne parvient pas à donner un sens à ce que l'on voit. » Donc, en fait, que voyez-vous de la réalité à ce moment-là, pendant ces années? Alors, on arrive, donc à l'époque, j'étais marié et nous avions un fils qui avait 3 ans. Bon, maintenant, il va vers 50 ans, hein. Mais à l'époque, c'était un enfant. Donc, on arrive à Canton. Et moi, j'avais fait un voyage en Chine. J'avais même fait 2 voyages en Chine auparavant. Un en 1970, qui était un des tout premiers voyages d'étrangers à une époque où la Chine était totalement fermée aux étrangers, et un autre en 1974, qui avait pour thème l'enseignement, la révolution dans l'enseignement. Mais c'était des voyages Potemkin, c'est-à-dire ces voyages où on était trimballés d'hôtel en hôtel, avec des guides, avec des programmes très lourds, toute la journée, et on allait de communes populaires en hôpitaux, en écoles, et on était reçus. Bon, nous étions des gens, des tout petits bourgeois, hein, et on était reçus comme des princes avec des hôtels luxueux, des repas somptueux, et on était en plus accueillis comme étant les représentants de la commune de Paris. Donc ça peut fausser un peu le jugement. Mais là, on arrive à Canton, on est dans un tout petit hôtel, on était les seuls Français, on est dans un tout petit hôtel qui se trouve à quelques kilomètres de la ville, et la première chose qui frappe, c'est la pauvreté. Mais une pauvreté dont on n'avait même pas l'idée. La Chine de ces années-là était une Chine vraiment du tiers-monde et excessivement pauvre. Ça, c'est la première chose. Et puis après, on a très vite des vélos, donc on se promène et on voit des choses. Alors, on était surveillés, hein. Je suis sûr qu'il y a des... Le jour où on aura les archives, on verra comment nos collègues chinois étaient obligés de faire des rapports sur nous en permanence. Mais on se promène quand même en vélo. On a des vélos, on se promène et on n'a pas de limitation autour de l'hôtel et autour de l'Institut des langues étrangères auquel on travaille. La limite, c'est les roues, hein, c'est ce qu'on peut rouler en vélo. Donc, je me souviens la fois dans un petit village qui s'appelle Sanyeli, qui est un village qui est historiquement célèbre parce que c'est là qu'ont été brûlées les caisses d'opium au moment de la guerre de l'opium au 19e siècle. On voit un camion avec 3 hommes dans le camion, le crâne rasé, la tête baissée et des pancartes. Donc on promenait des condamnés. Et ça, avec l'éducation qui était quand même la nôtre, on ne savait pas pour quel crime ils étaient promenés, mais c'est quelque chose qui nous a choqués tout de suite. Mais quand on en a parlé, les gens ne savaient pas de quoi on parlait. Donc il y a des choses qu'on a vues, on a cherché, on n'a pas été du tout, naïf. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on était là, on voulait comprendre. Et il y a des choses qu'on ne voyait pas et qu'on ne comprenait pas. Une fois, donc on était à cet institut, une fois, on nous renvoie à l'hôtel. Pas de cours. Et on n'a pas le droit d'aller à l'institut. Alors on cherche vraiment à savoir ce qui se passait. Et on n'y arrive pas. Et on a su ce qui s'était passé au retour en voyant un article dans les temps modernes. Il y avait eu sur la colline qui s'appelait Paiyunshan, la colline des nuages blancs, au pied de laquelle était notre institut, il y avait eu des manifestations liées au culte des morts qu'on interdisait à l'époque. Et malgré tous nos efforts, on n'a pas su ce qui se passait. Pour moi, c'est très important ça, parce que
Sur la question du génocide des Juifs, il n'y a pas une réunion publique et même des historiens qui disent les Alliés savaient tout. Et on dit qu'on savait. Or, qu'est-ce que ça veut dire savoir? Qu'est-ce que ça veut dire voir? Qu'est-ce que ça veut dire comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire interpréter? Et dans ce sens-là, l'expérience de ces deux années en Chine a été une expérience formidable. Une fois, on a dû être des emmerdeurs finis. Nous, on voulait toujours faire tout comme les Chinois. Donc, on voulait aller se faire rééduquer par les ouvriers. Donc on est allé 3 semaines dans une filature de soie, donc en 3 semaines j'ai filé la soie. Et puis on voulait aussi se rééduquer par les paysans pauvres de la couche inférieure. Donc on est allé aussi creuser les canaux d'irrigation dans le district de Dongguan. À la télé, je vois un reportage là maintenant sur le district de Dongguan qui est entièrement bâti, donc nos pauvres canaux d'irrigation qu'on a creusés à la houe, il n'y a plus rien. Et en plus, c'est là que les cadres chinois ont leur appartement où ils mettent leurs concubines. Donc je me dis vraiment, ça montre la relativité des choses. Donc on voulait absolument faire, et on a fait tout ça. Et on est allé avec les paysans. Les professeurs nous ont dit après, on a revu après quand la Chine s'est ouverte, ils ne comprenaient pas parce qu'eux, ils détestaient aller dans ces périodes à l'usine ou à la campagne. Mais nous, on insistait beaucoup. Donc on a vu la pauvreté. Moi, j'ai vu dans le village où il y avait la filature de soie, un attroupement, c'était un arracheur de dents. Donc là, on se retrouve dans les misérables. On se retrouve... Donc on voyait des choses. Et donc immédiatement, on a compris que c'était pas le pays dont on avait rêvé. Merci. Donc, d'une certaine façon, vous avez répondu à une question aussi que je voulais vous poser, qui était à savoir si l'expérience chinoise vous avait donné des clés pour comprendre le totalitarisme. D'une certaine façon, vous y avez déjà en partie répondu. Et puis aussi, vous dites, quand vous revenez en France, après l'expérience chinoise, en fait, vous connaissez un moment un peu de dépression. Enfin, en tout cas, oui, vous êtes... Oui, on peut dire le mot, hein, dépression. Et que vous êtes à la fois, donc c'est une sociabilité, des amitiés, tout ça qui se casse, c'est une façon de pouvoir comprendre le monde aussi qui ne marche plus. Et puis aussi une autre phrase que vous dites, et ça m'a frappé, je suis alors, je vous cite, hein, je suis alors envahi par la culpabilité, petite fille de victime d'un régime totalitaire, j'ai été complice d'un autre totalitarisme. Comment ça sonne aujourd'hui pour vous? Alors, je suis toujours d'accord avec ça. C'est-à-dire, je suis toujours en... La culpabilité a disparu. Je suis toujours en accord sur le fait que normalement, enfin, qu'il devrait y avoir des interdits. Et que, par exemple, quelqu'un qui a été victime de totalitarisme ne doit pas être attiré par ce totalitarisme. Et je me souviens du moment où cette pensée m'est venue. Je suis retourné en Chine après, j'ai conduit 2 voyages après, et un qui se situait au moment du retour au pouvoir de Deng Xiaoping. Je ne sais pas si vous savez, mais Deng Xiaoping, c'était celui qui voulait libéraliser, moderniser la Chine, et celui qui disait qu'importe que le chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Donc il voulait vraiment promouvoir l'économie en Chine, et c'est celui à qui on doit, pour le meilleur ou le pire, ce qui est devenu la Chine d'aujourd'hui. Donc il y avait le retour de Deng Xiaoping. Et j'étais avec des amis qui habitaient en Chine, hein, qui étaient métisses, enfin une amie qui est venue après en France, prof qui est toujours d'ailleurs prof de chinois, à moins qu'elle soit à la retraite. Et j'ai vu comment on préparait
la manifestation spontanée pour le retour de Deng Xiaoping. Et j'ai vu donc cette manifestation, et je crois que c'est cette manifestation, avec le sentiment de la foule, le sentiment océanique, dirait Freud, et je crois que c'est ça qui m'a vacciné à tout jamais contre les manifestations. Pour que j'aille à une manifestation aujourd'hui, il faut vraiment que je sois poussé comme par Charlie ou par le Bataclan, donc par un mouvement qui fait qu'on a besoin d'être avec d'autres. Mais ce n'est pas le même sentiment que d'être avec des drapeaux rouges dans ces grandes liturgies qui appartiennent en fait au communisme et aux autres totalitarismes. Alors maintenant, on a fait un débat qui a été absolument merveilleux au Festival du film d'histoire de Pessac. Il y avait Jean-Luc Domenac et il y avait un garçon qui s'appelle Bernard Debord. C'est vraiment... Juste pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc Domenac. Jean-Luc Domenac, c'est le grand spécialiste de la... C'est un des meilleurs sinologues. Hein. Et le débat s'était intitulé « Les intellectuels et la Chine ». Et donc il y avait ce camarade qui lui aussi a quitté enfin, exactement le même itinéraire. Et pour ce débat, j'avais relu le livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle « La longue marche », qui était le récit de son voyage en Chine en 1955. Je me rappelais très bien du correspondant du Monde qui s'appelait Alain Bouc, qui était un maoïste pire encore que nous. Et ce que j'ai développé à cette époque-là, c'est que nous n'étions pas des intellectuels, nous étions des jeunes gens, ce qui est vrai. Hein, moi, j'étais, avant de partir en Chine, je venais de passer le CAPES d'histoire et j'avais été maîtresse auxiliaire de lettres. Auparavant, j'étais en aucun cas une intellectuelle. Mon camarade Bernard Le Revenu, qui a pris le nom de sa mère Debord, qui a fait pas mal de films, pas mal de documentaires, était lui aussi, on était des petits profs, quoi. On n'était pas des grands intellectuels. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qu'était le milieu intellectuel à l'époque. Donc je ne veux pas me défausser de ma propre responsabilité, mais... Le correspondant du Monde, qui racontait littéralement n'importe quoi. Il n'y a plus un seul article de cette période-là d'Alain Bouc quand le Monde fait des anthologies. Et je ne parlerai même pas de Patrice Debert, qui a salué quand même l'arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh dans le Monde. Et puis tous les autres. Le voyage de tel quel, Julia Kristeva, Roland Barthes. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais qu'on était en quelque sorte mainstream en étant pro-chinois à l'époque et que je n'avais pas lu Simon Less, parce que tout le monde me dit « mais tu n'avais pas lu les Amis Neufs, les Présidents Mao », que j'ai lu cet été, que je trouve très difficile à lire parce que c'est en fait toutes les luttes pour le pouvoir qui se situent... Voilà, c'est pas son livre le plus lisible, les Amis Neufs. Il fallait déjà être très, très, très calé en histoire de la Chine. Alors, comme nous sommes ce soir à Prague, je voudrais rapporter dans l'un de vos récits, lors de votre séjour en Chine, vous parlez d'un couple d'intellectuels chinois qui vous ont beaucoup marqué et dont l'épouse, je crois, ira se réfugier à Hong Kong, et qui avait pris après le prénom, un prénom français, le prénom Jacqueline, mais surtout elle a consacré, je crois, avec son mari, des nuits entières à traduire en chinois la plaisanterie de Milan Kundera. Alors du coup, ça me donne envie de vous poser cette question, alors vous n'en parlez pas d'ailleurs dans ce livre d'entretien, mais le printemps de Prague, ce qu'on a appelé parfois ce printemps sans été, quel souvenir pour vous, comment avez-vous ressenti
ce qui se passait justement à Prague cette année 68 et puis peut-être après aussi. Est-ce que voilà, je trouve ça intéressant et puis comme voilà, nous sommes ici le portrait de Václav Havel donc. Oui, cet ami cet ami est décédé. Je suis toujours resté en contact avec elle. Je suis retourné. Elle est partie immédiatement à Hong Kong. Quand Hong Kong a été rattaché à la Chine, elle a envoyé ses deux filles à l'étranger, tellement elle avait peur que le communisme mette la main sur que Hong Kong devienne comme la République populaire de Chine. Elle était originaire de Shanghai, elle était shanghaïenne. Les Shanghaïens, faut que je fasse attention de ne pas dire des choses essentialistes, mais les Shanghaïens, Shanghai a été traditionnellement beaucoup plus ouvert sur l'Occident et les Shanghaïens étaient souvent ceux qui parlaient le mieux français. Et je suis retourné avec elle à l'institut où on a travaillé toutes les deux, c'était il y a peut-être 6-7 ans. Et puis elle est morte d'un cancer fulgurant. Et pendant toutes ces années-là, les années où elle était en Chine, je lui passais les livres que nous on recevait de France, puisqu'il n'y avait plus de livres à la bibliothèque de l'Institut, à partir de la révolution culturelle. Donc vous aviez les livres d'avant, les livres communistes. Par exemple, j'ai lu les communistes d'Aragon, là-bas, les 5 volumes des communistes d'Aragon. Il y avait Maupassant, enfin, il y avait toute une littérature française, mais ça s'arrêtait en 66. Hein. Après 66, il n'y avait plus de livres. Et effectivement, elle a traduit à son mari, qui lui était acteur, qui ne parlait pas français, la plaisanterie. Alors, qu'est-ce qu'a représenté le printemps de Prague? Alors, je pense surtout que je ne suis pas sûr, j'en ai pas un souvenir très vif, hein, que chez les Mao, on ait goûté le printemps de Prague, puisque nous étions dans la branche où j'étais extrêmement stalinien. Mais ce qui nous a le plus intéressé, ça a quand même été la question des positions du Parti communiste français. Parce que malgré tout, on reste quand même, davantage concerné par l'histoire de son propre pays, souvent. Hein. Et le Parti communiste français, pour la première fois, a pris une très légère distance avec Prague. Ce qui a d'ailleurs occasionné la rupture avec Jeannette Vermeersch, l'épouse de Maurice Thorez, qui, elle, trouvait qu'il n'y avait jamais à critiquer les frères soviétiques. Mais nous, chez les Mao, on était de toutes les façons convaincus que les soviétiques étaient des impérialistes, des révisionnistes. Donc il n'y a pas eu la même... Le propre de ce type d'engagement, c'est qu'on fait semblant d'être jamais surpris, puisque tout est toujours écrit. Voilà. Le souvenir le plus vif que j'ai, c'est l'immolation par le feu de Yann Pallard. Un an plus tard, ça a beaucoup, ça nous a beaucoup frappé. Et puis effectivement, le Kundera. Et après, le livre du rire et de l'oubli. On dit notamment qu'on écrit parce qu'on ne peut pas parler à ses propres enfants qui ne s'intéressent pas à ce que vous dites. On raconte une conversation avec un chauffeur de taxi. Et donc, plus tard, vous allez écrire donc, le livre « Ils étaient juifs, résistants et communistes » en 1987. Et je suppose que ce livre, c'est aussi lié à votre engagement, ou en tout cas, il y a un lien. Après, j'ai trouvé cette phrase, vous dites « Ce que je cherche quand je travaille sur le communisme, c'est la réalité humaine qui n'est pas totalement absorbée par le spectacle que le communisme a voulu donner au monde. » Donc, au fond, c'est aussi penser le sens de ces engagements, même si... finalement, ils ont été des égarements et sont parfois terminés en catastrophes, en tragédies humaines, et notamment juifs, résistants, communistes.
Oui, c'est d'ailleurs un lien avec ce pays, même si cela, je ne les ai pas énormément étudiés. Mais le Parti communiste français a créé très vite, dans les années 20, un organisme qui s'appelait la MOE, puis la MOI, la main-d'œuvre étrangère, et ensuite la main-d'œuvre immigrée. Le problème, c'était d'avoir la capacité d'encadrer la classe ouvrière immigrée, la vraie classe ouvrière, c'est-à-dire les Italiens et surtout les Polonais. C'est-à-dire que la France, après la Première Guerre mondiale, qui a occasionné une saignée, 1,5 million d'hommes jeunes qui ont perdu la vie dans la guerre de 14-18, sur fond de dynamisme démographique qui était atteint depuis très longtemps, donc il y avait un problème de main-d'œuvre. Et les houillères, qui étaient à l'époque privées, ont signé des accords de main-d'œuvre avec la Pologne. Donc il y a eu des centaines de milliers d'ouvriers. Non, je pense que certaines de milliers d'ouvriers polonais qui sont venus travailler en France, plus cette immigration italienne. Donc la MOI, ça dépendait du Parti communiste, et les gens étaient rangés par section de langue, par la langue, pas par la nationalité, par la langue. Donc vous aviez les Polonais, les Italiens, les Hongrois. Les Hongrois étaient tous juifs, et vous avez une section de langue yiddish. Et ce sont ces gens de la MOI qui ont été des résistants très actifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et parmi un des trois dirigeants, il y avait Arthur Landon, que vous connaissez, puisque Arthur Landon était tchèque et qu'il est reparti après la guerre. Il est revenu ici construire le communisme. Donc j'avais suivi les itinéraires de ces hommes et de ces femmes, et ce qui m'intéressait, c'était un peu le jeu de leurs identités, identité juive, identité communiste. Et et on le retrouve, il y a eu beaucoup de cadres du Comintern hongrois, entre guillemets, parce qu'on ne sait jamais, on est quand même dans des... Mais je pense à Arthur Koestler, par exemple, que vous connaissez peut-être comme grand écrivain. Je pense à Eugen Fried, qui était, je crois, slovène. Slovaque, pardon. Et qui a été le conseiller du Parti communiste français, notamment au moment du Front populaire. Certains disent que le Front populaire, c'est Fried. Je pense à tous ces gens-là. Qu'est-ce qui se passe après la Première Guerre mondiale? Il se passe qu'on redécoupe des nations, et que dans ces nations et dans le nationalisme, les Juifs n'ont pas tellement leur place, et qu'ils pensent que l'internationalisme, ça va résoudre la question juive puisqu'il n'y aura pas de nation. Donc il y a dans l'engagement des Juifs, dans le communisme, une sorte d'universalisme. Et puis après, bon, il y a tout ce que l'on connaît. Donc c'est ça qui m'intéressait. Et j'avais suivi trois générations de communistes. La première, qui est celle de ces gens, donc c'était pas le cas d'Arthur Landon, hein, mais de ces gens qui venaient de milieux très très pieux, qui s'étaient convertis, pour qui le communisme avait été une sorte de conversion. Un peu comme la Bella dont j'ai parlé, de la nouvelle de mon grand-père Wolf Wiewiórka. Donc ceux-là, ils étaient terribles. Certains sont restés communistes jusqu'à leur mort. Hein. Et c'est parmi ceux-là, ceux-là sont rentrés dans leur pays, donc en Hongrie, en Pologne, pour construire le communisme après la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, il y a eu leurs enfants, qui ont été communistes en famille. Alors l'exemple le meilleur que l'on peut donner en France, c'est un homme qui s'appelait Henri Krasucki, qui a été pendant très longtemps le secrétaire général de la CGT, mais dont les parents, Léa et Isaac, étaient déjà communistes en Pologne,
Et il est venu, il a été naturalisé français après la Seconde Guerre mondiale. Donc la deuxième génération, c'est une génération qui est communiste, qui est née en France, qui a été naturalisée, mais qui est communiste dans les milieux communistes de l'immigration. Et puis la troisième, que j'avais appelée la génération de la rafle, c'est ceux qui rejoignent la résistance juive communiste après la grande rafle du Gendiv. Ils se retrouvent tout seuls et il y a le sentiment d'abord ils veulent lutter, ils veulent faire quelque chose, et il y a le sentiment d'être lié au monde et de ne plus être tout seul à partir du moment où ils se retrouvent dans le communisme. Donc c'est ça qui m'avait intéressé à vous. Merci beaucoup, et d'une certaine façon vous répondez à une question qui vous avait été posée ce matin, ou plutôt une réflexion d'une dame qui nous disait mais comment on peut être, ou comment on a pu être juif et communiste. Et c'était quelque chose qui l'a troublé beaucoup, et à plusieurs reprises elle est revenue là-dessus, donc vous avez donné tout à fait des éléments de réponse. Staline aimait à citer la phrase comme quoi l'antisémitisme était le cannibalisme, enfin voilà. Donc il y avait cette illusion que le communisme ferait disparaître la question juive. Alors, vous passez ensuite plusieurs années à étudier la mémoire du génocide. C'est le sujet de votre thèse, publiée chez Plon en 1992, sous le titre « Déportation et génocide ». Et cela deviendra donc, cela constituera la part essentielle de votre recherche. Mais vous avez, comme on le voit d'ailleurs ce soir, vous avez toujours souhaité être très pédagogue, partagé, être très attentive à la diffusion du savoir historique, à la place de l'histoire dans le débat public, peut-être à ses vertus civiques en quelque sorte, enfin c'est une question sur laquelle on peut revenir, y compris sur ce sujet, qui est un sujet très lourd. Et peut-être vous pourriez nous dire quelques mots de votre ouvrage « Auschwitz expliqué à ma fille », qui a été traduit dans tant de langues, et qui a été traduit, cet ouvrage aussi, en tchèque. J'ai retrouvé en 2015, oui. Il existe une édition en 2015 de « Auschwitz expliqué à ma fille ». Alors, ça a été un véritable succès. Il existe en japonais, en croate, en hongrois, donc... Et comme je dis avec un peu de cynisme, je suis la seule bénéficiaire de l'extrême droite. Parce que quand Aube Dorée monte en Grèce, on traduit Auschwitz expliqué à ma fille en grec. Et quand le PiS arrive au pouvoir en Pologne, on traduit Auschwitz expliqué à ma fille en polonais. Voilà, bon. Donc ça, bon, je reste un peu sceptique sur les vertus de cet enseignement. Oui, moi j'ai été prof pendant 20 ans, avant d'entrer au CNRS. Et j'ai gardé cette idée que quand on faisait de la recherche, on faisait de la recherche pour qu'elle soit communiquée à d'autres qu'à ses pairs, P-A-I-R-S. Que le défaut des chercheurs en général, enfin en sciences humaines, en sciences dures, c'est un autre problème, c'est que très souvent, ils veulent être le meilleur que le voisin et ils ne s'occupent pas de s'adresser. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'idée qu'il fallait s'adresser aux gens et qu'il fallait transmettre. Et en plus, bon, c'est vrai que j'aime ça. Hein. Maintenant que je suis émérite, ce qui veut dire retraité, bon, quand j'ai l'occasion de faire des formations de professeurs en France ou parfois même à l'étranger, je le fais avec beaucoup de plaisir, hein. c'est pas du tout une corvée. Aujourd'hui, alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai travaillé sur ces questions-là dans les décennies que j'appellerais vertueuses. Et on a tendance à oublier, en 1997, il y a une grande conférence à Washington, qui est une conférence sur la question des banques
des assurances qui, à l'époque du scandale suisse, hein, des banques suisses, où il y aurait eu de l'argent, les banques, les assurances et les œuvres d'art. Et à cette conférence, que vous pouvez lire en entier sur Internet, hein, toutes les proceedings, comme ils disent, il y a 400 pages sur Internet. Il y a Elie Wiesel qui dit il faut faire attention, il ne faut pas transformer la Shoah, parce que c'est le terme qui est adopté en France, en question uniquement de biens matériels, il faut qu'il y ait une éducation. Et c'est là qu'il va être décidé de faire une grande conférence sur l'éducation qui s'est tenue à Stockholm, hein, et où ont été présents tous les premiers ministres ou chefs d'État. La délégation française, c'était Lionel Jospin, qui est à l'époque Premier ministre, avec Moscovici, qui est à l'époque ministre ou secrétaire d'État aux affaires européennes. Et il y a une déclaration de Stockholm que vous pouvez toujours lire aussi sur Internet, en 10 points ou 8 points, avec une discussion pour savoir si ce qu'on appelait les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, qui ne rêvaient que de rentrer dans l'Europe, 2000, hein, ils sont rentrés en 2004, maintenant ils rêvent d'en sortir pour certains. Et la discussion, c'est de savoir s'il fallait adhérer à cette déclaration de Stockholm pour rentrer dans l'Europe. C'était une déclaration qui imposait un travail d'histoire et un travail d'éducation dans tous ces pays, et qui a donné naissance ensuite à ce qu'on a appelé la Task Force for Holocaust Education, qui est devenue l'Alliance International Holocaust Research Alliance. Voilà. Et dans laquelle un grand nombre de pays, pratiquement tous les pays européens, dont la Pologne, sont membres, et un certain nombre de pays non européens, l'Argentine, je crois, un certain nombre de pays. Donc c'était ça, ce que j'appelle la période vertueuse. Et dans cette période vertueuse, il y avait cette idée très forte, mais à laquelle je n'ai jamais vraiment complètement adhéré, qui était que la démocratie allait triompher partout, le libéralisme économique partout, et qu'il fallait une idéologie. Et on a choisi, et l'idéologie c'était les droits de l'homme, et on a pensé que l'éducation à l'histoire de la Shoah était la meilleure façon d'éduquer aux droits de l'homme, en montrant ce qu'il arrivait quand on bafouait ces mêmes droits de l'homme. Alors je pense malgré tout que l'histoire a un rôle essentiel, encore aujourd'hui. Alors on entend que l'histoire c'est fini, j'ai lu dans Le Monde un grand article sur je sais pas quoi, la vidéo qui remplace l'histoire, vous allez écouter, va venir ici Olivier Guesse qui a écrit sur Mengele, donc on va vous dire ça y est, il y a plus besoin d'histoire parce qu'il n'y a que les romanciers qui sont capables de transmettre l'histoire. Moi je pense que c'est quelque chose de... Que ce n'est pas bien de laisser dire et faire ça. Parce que l'histoire, ce n'est pas simplement une transmission de connaissances. Parce que les connaissances, elles peuvent être transmises par la télé, par la radio, par le film, par n'importe quoi. Mais c'est aussi une méthode. Et l'histoire, c'est un rapport à la vérité. Et c'est ça qu'on fait en faisant de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne transmet pas des connaissances, on transmet une approche du passé, et c'est cette approche du passé qui après peut éventuellement avoir quelque utilité dans le présent, et c'est pas uniquement le savoir. Et je disais pour nous consoler que si vous prenez un prix Goncourt ou un prix Renaudot dizaines de milliers de lecteurs, nous en tant que prof, en 10 ans, combien est-ce qu'on forme d'élèves? Et là, j'ai assisté avec grand plaisir à la remise par le ministre de l'Éducation nationale de l'Ordre du Mérite à quelqu'un qui s'appelle Rachid Azouz, qui est fils d'ouvrier algérien, 52 ans aujourd'hui, et qui est le premier agrégé d'histoire, qui a été mon élève en seconde, je ne vous dis pas il y a combien d'années, hein, 52 ans, vous pouvez compter, et qui est devenu agrégé d'histoire
premier inspecteur issu, comme on dit, de la diversité, et qui est maintenant le responsable mémoire pour l'Académie de Paris. Et je me dis, ben voilà, ce que mes collègues et moi, on a fait, c'est mieux parfois que simplement un roman. Mais j'adore la littérature, hein. Je suis pas en train de dire du mal de la littérature. Merci beaucoup. Alors, on parle donc d'histoire, de transmission, d'exactitude aussi, et d'ailleurs c'est le titre de votre ouvrage, de l'ouvrage d'entretien. Je cite Marc Bloch qui cite Paul Valéry et dit « Ce moment capital des définitions et des conventions nettes et spéciales qui viennent remplacer les significations d'origine confuse et statistique n'est pas arrivé pour l'histoire. » Donc on est bien au cœur de la réflexion de Marc Bloch, d'où vous avez extrait le titre du livre d'entretien qui vous est consacré, « L'heure d'exactitude ». Donc une question grave, qu'est-ce que c'est qu'un génocide ? Alors, c'est peut-être un des bons exemples de ce que Marc Bloch disait dans ce petit livre, enfin petit en taille, qui est le métier d'historien, qu'il faut lire, relire, relire, parce que c'est un livre admirable, et on rêverait tous d'être Marc Bloch, immense historien, grand résistant. Comme je le dis, parce qu'il y a certains qui pensent que l'histoire, ça empêche d'être à droite, je dis, on préfère quand même être Marc Bloch plutôt que Carcopino, qui n'était pas un mauvais historien non plus, mais qui a été quand même ministre de sous Vichy. Donc, Marc Bloch dit, les mots vivent leur trouble, dans la même partie, les mots vivent leur trouble vie de place publique. Et c'est le cas de génocide. Alors, génocide, c'est un mot, c'est un néologisme qui a été forgé par un juriste qui a réussi à fuir la Pologne en 39 ou en 40. Un grand juriste, spécialiste de droit international, qui s'appelait Raphaël Lemkin, qui était d'origine, qui était juif, d'origine, qui était de Lvov, de Lemberg, et qui s'est donc retrouvé aux États-Unis. Et qui n'a cessé sa vie durant de réfléchir à la question du génocide. Et le génocide, pour lui, ça implique une intention et ça implique la destruction d'un groupe humain. Alors je vous conseille la lecture d'un livre d'un Anglais. Le livre s'appelle « Retour à Lemberg » et ah, j'ai brusquement un trou de mémoire sur l'auteur. Mais bon, ça va revenir. Ça va revenir. Et c'est un juriste, un spécialiste de droit international, un de ceux qui ont porté l'accusation contre Pinochet. Et il va à Lemberg, Lvov, Vif, Lemberg, suivant les appartenances. Et il va sur les traces de sa famille, son père. Son grand-père venait de Lemberg, et là il s'aperçoit que c'est aussi la ville de Lemkin, et la ville d'un autre juriste très connu en Angleterre, qui s'appelait Lauterpacht, et qui a fortement contribué à introduire dans le procès de Nuremberg le crime contre l'humanité. Et en plus, il introduit, bon, il y a quand même, c'est un livre un peu littéraire, donc il y a. Pour que sa fiction soit complète, il faut qu'il mette Hans Frank, parce qu'Hans Frank, qui a été qui a été à la tête de la Pologne, enfin de la Pologne qui n'existait plus. Je fais attention pour ne pas être dénoncé après, puisque le président du Sénat a demandé à ce que la Polonia dénonce toute personne qui, à l'étranger, dirait des choses de travers. Très attentif. Donc, il était à la tête du gouvernement général. Hein. Il était au château de Wawel, qui est le château de Cracovie. Donc, il rajoute Hans Frank et il fait une analyse que je trouve très pertinente de la différence entre le génocide et le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est une atteinte aux individus et le crime de génocide, c'est l'atteinte au groupe. Et il dit que depuis les années 90,
par une sorte de mouvement, le génocide, qui est donc la volonté de détruire un groupe politique, religieux ou ethnique, que le génocide est devenu le crime des crimes. Et quand on y réfléchit, c'est vrai. Par exemple, en France, on a eu, on célèbre le 30e anniversaire cette année, on a eu le procès de Klaus Barbie. Klaus Barbie, il a été inculpé de crimes contre l'humanité et pas de crimes de génocide. Et il aurait pu très bien être inculpé de crimes contre le génocide. Mais ce n'était pas la mode à l'époque. Et aujourd'hui, tout le monde veut son génocide. Tout le monde. J'ai appris lors d'un colloque en Pologne, c'est une histoire que je connais mal, qu'il y a eu des massacres de Polonais par les Ukrainiens, en Volhynie. Et que les Polonais ont décidé que c'était un génocide. Donc, tout le monde décide que c'est un génocide. Srebrenica, 7000 hommes, c'est un génocide. Donc il y a aujourd'hui une sorte d'inflation du génocide. Pour les historiens, il y a une sorte de consensus qui n'est même pas entièrement raisonné, mais qui est une sorte de consensus. C'est-à-dire qu'on considère que dans la période contemporaine, il y a eu trois génocides. Le génocide des Arméniens par les Turcs, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda en 1994, vous donnez le siècle maintenant, et celui des Juifs. Encore que les discussions sur l'intention, qui sont des discussions juridiques, l'intention est très difficile à prouver. Et en ce qui concerne le génocide des Juifs, alors sur la Turquie, quelqu'un qui dit l'intention, c'est pas net, c'est ce qu'avait dit le grand turcologue, aujourd'hui décédé, Gilles Weinstein, immédiatement, il est conspué par les Arméniens, qui lui ont envoyé des dizaines et des centaines de lettres, on va tout crever, enfin des lettres terribles, même pas anonymes, qui prouvaient à quel point ils pensaient qu'ils étaient dans leur bon droit. En ce qui concerne le génocide des Juifs, vous avez toute une école dite fonctionnaliste qui récuse l'intention. Donc l'intention est le juriste qui a écrit Retour à l'envers, dont le nom va me revenir, dit que juridiquement, l'intention, c'est ce qu'il y a de plus difficile à prouver. Donc le génocide, c'est difficile à prouver et parfois on tord l'histoire pour faire ressortir une intention alors que l'intention manque de netteté. Alors j'ai encore une question, cette fois-ci, qui serait le lien entre témoignage et histoire. Je crois que c'était aussi l'objet du débat, la rencontre avec le CEFRAS hier après-midi. Que faire donc d'une histoire, celle de la Shoah, qui a fait du témoignage, celui du survivant, le centre de gravité? Vous rappelez d'ailleurs dans votre ouvrage cette phrase que vous avez entendue, j'imagine à plusieurs reprises, que va devenir la mémoire de la Shoah quand il n'y aura plus de témoins? Vous dites aussi la mémoire du génocide a été construite avec les survivants. Mission leur a été donc confiée, notamment avec le procès d'Adolf Eichmann, d'être les porteurs d'histoire. Alors, quelles sont les conséquences pour l'historien du fait que l'on confie aux témoins le soin de dire l'histoire, et que pensez-vous de ces inquiétudes? Alors, effectivement, à l'intérieur même, enfin, au moment même où se déroulait la Shoah en Pologne, surtout à partir de 1942, les gens ont eu, beaucoup de juifs polonais ont eu la certitude de la victoire. Ils n'ont jamais douté de la victoire, mais ils ont eu en même temps la certitude qu'ils ne seraient pas là, que le peuple juif aurait disparu. Et il y a eu tout un mouvement d'écriture, de témoignages, des centaines de témoignages, jusque... ceux qui travaillaient à la chambre à gaz, puisqu'on a retrouvé ce qu'on a appelé parfois les rouleaux, comme les rouleaux de la Torah, les rouleaux de Auschwitz, c'est-à-dire des témoignages qui avaient été enfouis.
Donc il y a eu cette idée que si on ne témoignait pas, on ne connaîtrait pas cette histoire, qu'il y aurait non seulement un génocide, le mot n'existait pas à l'époque, mais aussi un mémocide, c'est un mot qui a été forgé aussi après. Pourtant, après la guerre, il y a eu des survivants. Et pas beaucoup, si on prend la Pologne, hein, 3 millions quand même de juifs polonais qui ont été assassinés. Donc il est resté peut-être une cinquantaine de milliers de juifs polonais sur le territoire de la Pologne, et puis un peu plus de 200 000 qui avaient été déportés à l'Est, en Sibérie ou au Kazakhstan, et qui sont revenus après en Pologne. Donc il ne restait plus énormément de survivants. Mais les survivants ont été très mal accueillis. Luc, comme moi, a connu, c'est un honneur pour nous d'avoir rencontré et d'avoir connu Simone Veil et d'avoir parfois pu discuter avec elle. Simone Veil disait que très vite on l'a fait taire, on ne voulait pas écouter. Elle avait une sœur, Denise Werner, qui, elle, avait été résistante et qui avait été déportée à Ravensbrück, on ne savait pas qu'elle était juive, et elle, elle a été reçue par le général de Gaulle, elle a eu les honneurs, mais les déportés « ratio » entre guillemets, non. Et en Israël, ils ont été très mal accueillis, ils étaient suspects. S'ils avaient survécu, c'est qu'ils avaient nécessairement fait quelque chose de pas très joli. Et en Israël, on les a surnommés les savons. Les savons, c'était cette mythologie, ce mythe, comme quoi on avait fait du savon avec la graisse humaine. On sait que ce n'est pas vrai. Donc le procès à Eichmann, ça a été une sorte de catharsis. Et le procureur avait construit le procès sur les témoignages, raconter l'histoire par autant de témoins que possible. La grande personnalité israélienne, j'ai plaisir à dire son nom parce qu'il vient de décéder, qui s'appelait Haïm Gouri, qui était un grand poète, une des grandes consciences d'Israël, et qui a chroniqué le procès à Eichmann, dit « L'essence du procès à Eichmann, ça a été la litanie des témoins qui voulaient dire leur histoire à la barre. » Et ça a créé, d'abord, ça a réintégré les survivants dans leur dignité, dans la société israélienne, et ça a fait du témoin celui qui allait raconter l'histoire et celui qui allait porter la mémoire. Et ça s'est encore accentué à la fin des années 70, quand on commençait les grandes collectes de témoignages, et on a considéré que c'était le témoin survivant qui devait dire l'histoire. Et je pense que c'est ça qui crée une angoisse, parce que sinon, toute l'histoire est sans témoin, enfin sans témoin vivant. C'est-à-dire, on fait de. Là, on a commémoré avec elle Fast 14-18, il n'y a plus un seul survivant des soldats de 14-18. Donc on n'a pas besoin, ni pour inscrire un événement, ni pour l'étudier en histoire, ni pour le raconter, on n'a pas besoin du témoin vivant. Mais là, il y a une angoisse, c'est un angoisse du temps qui passe. Merci. Alors, malheureusement, le temps passe aussi pour nous, et j'aurai encore peut-être deux questions. Alors, qui a un lien d'ailleurs avec la problématique du témoignage, et qui est la question, la notion de devoir de mémoire, que Primo Levi a préconisé d'une certaine façon dans Si c'était un homme. Et vous dites, parce que c'est aussi une réflexion sur les concurrences mémorielles, et puis devoir de mémoire, comment on peut obliger les gens à se souvenir si ce n'est pas leur souvenir. Et je vous cite. L'anéantissement des Juifs est un événement fondamental de l'histoire. Mais s'il s'agit de susciter une émotion particulière sur la mort des Juifs, cette émotion n'a pas plus de légitimité que l'émotion suscitée par d'autres événements et d'autres victimes. Les ouvrages de Yevgenia Ginsburg ou de Varlam Shalamov, donc témoin du Goulag, ne sont pas moins bouleversants ni intéressants que ceux de Primo Levi. C'est l'événement historique qui est incommensurable, non les émotions que procure son évocation.
Je suis assez d'accord avec moi-même. Je me rappelle, c'est une anecdote, mais peut-être que vous vous souvenez de cet accident où il y a eu la tribune du stade Furiani en Corse qui s'est effondrée. Et je me souviens encore avoir entendu les survivants de cette catastrophe et m'être dit, mais ils parlent exactement comme les survivants de la Shoah. Or, si on prend les gens qui ont été victimes d'une tragédie collective dont ils ne connaissent pas et ne comprennent pas nécessairement le sens, eh bien, il n'y a pas grande différence dans le discours qu'ils tiennent, dans les souffrances qui sont les leurs, avec certains survivants de la Shoah. C'est effectivement les événements qui sont différents. Et je pense que la tendance actuelle, bon, je pense par exemple au 13 novembre. Hein. Le 13 novembre, il y a en ce moment des grandes enquêtes sur les victimes du 13 novembre, où on recueille leurs témoignages. Donc, rappelez juste le 13 novembre. Le 13 novembre, c'est ces attentats qui ont eu lieu à Paris avec le plus meurtrier d'entre eux, qui est celui du Bataclan. Donc l'émotion qui a été la nôtre a été considérable, surtout que moi je suis parisienne, c'est vraiment nos enfants qui ont été visés au sens d'une génération. Et voilà, donc on parle de traumatisme, de mémoire, bien sûr qu'il faut se souvenir de ceux qui sont morts, bien sûr. Une société, elle, c'est comme une famille. On honore ses disparus et on s'en souvient, on garde leurs souvenirs, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est pas simplement les effets de l'événement sur les personnes, c'est l'analyse de l'événement. Et le fait de ne plus analyser les événements, c'est à mon avis quelque chose qui est dangereux, parce que c'est la disparition finalement du politique. Et aujourd'hui, très souvent, on ne parle que de la question des victimes. Alors, l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe, c'est une histoire qui touche à tous les problèmes historiques, en fait. Et c'est pour ça qu'au-delà du témoin à qui on donne une charge éducative, notamment dans les écoles, en dehors de ça, vous avez aujourd'hui des centaines d'historiens qui travaillent sur ces questions, qui sont intéressantes et même passionnantes. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, le temps passe, malheureusement. Peut-être que nous aurons un moment aussi pour des échanges. Alors, merci, chère Annette, de m'avoir accordé cette confiance. Voilà, j'espère que j'étais à la hauteur pour les questions. Alors, j'ai une toute dernière question. Vous dites je vous cite ici, comme d'autres collègues, j'ai rêvé, livre après livre, de ne plus lire, de ne plus entendre, ne plus chercher, ne plus écrire sur ce thème. Alors, est-ce que ça veut dire que ce sujet vous pèse, ou bien c'est, pour citer encore Marc Bloch, le souhait d'accueillir le neuf et le surprenant? Et est-ce que votre parcours d'intellectuel restera toujours celui de l'engagement, en quelque sorte votre point de départ depuis 1968? Alors, l'engagement, oui, mais plus jamais un engagement, malheureusement je suis aussi comme l'époque, hein, plus jamais un engagement pour quelque chose de total. Je suis par exemple beaucoup engagé pour le sauvetage des archives. Donc je m'engage, j'ose pas dire facilement, mais si la cause me semble juste, je suis capable de m'engager, Luc le sait, sur des petites choses.
chose, ou à plus long terme, parce que les archives, ça a pris beaucoup de temps, mais on a gagné, on a réussi à faire construire, on a fait une association, on a réussi à faire construire ce merveilleux bâtiment de Pierrefitte-sur-Seine. Donc oui, je pense qu'il faut s'engager, je suis prêt à m'engager, malheureusement, je ne sais pas comment, sur ce qui se passe en Pologne aujourd'hui, en dehors de donner mon nom, je ne vois pas ce qu'on peut faire, mais je pense, oui, qu'il faut s'engager. Alors, un sujet pesant, oui, bien sûr que c'est un sujet pesant, parce que c'est quand même un sujet qui touche à la mort de masse. Et en fait, j'ai cessé de travailler sur ce sujet, mais on reste marqué, c'est-à-dire qu'en fait, surtout en France, on a une image, quand on a fait quelque chose, on reste avec cette image. J'ai fait une grosse biographie du couple Thorez, Maurice et Jeannette, 5 ans de travail. Maurice Thorez, qui était le leader du Parti communiste français, et son épouse Jeannette Vernerch, qui a été secrétaire général du Parti communiste français de 1930 à sa mort. Hein, donc presque 40 années, les grandes années du communisme français. Il a été ministre d'État de la Libération. Voilà. Et ce genre de... Enfin, quand on prend d'autres chemins, ben on reste marqué comme historien de la mémoire de la Shoah. Voilà. Ma chère Annette, merci beaucoup pour, c'était un plaisir, pour cette heure passionnante. Merci. Il faut vous applaudir. Est à votre disposition, donc vous pouvez vous le procurer. Et puis peut-être nous avons encore quelques minutes pour des questions, donc nous pouvons échanger soit en français, soit en tchèque. Voilà, merci. Oui, donc. Comme l'a rappelé Luc, nous avons quelques minutes donc pour échanger directement avec Annette Vivurca, que ce soit sur son parcours d'historien, son parcours de témoin aussi, puisque c'est une traversée de la fin de la seconde moitié du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle, tout à fait passionnant. Y a-t-il des questions? Alors moi j'en aurais eu. Ça va peut-être ouvrir les questions et qui va plutôt s'adresser à votre métier d'historien. Donc, vous avez abordé le fait que l'histoire n'était pas une accumulation de connaissances, et je crois qu'on a fait un sort à cette façon de concevoir l'histoire. Vous l'avez très bien défini comme méthode, mais l'histoire, c'est aussi une écriture, c'est sa façon de l'écrire. Quel est votre sentiment? Parce que ce sont des questions très actuelles, cette façon dont on écrit l'histoire, et qui ouvre cette série de questions, qui est celle du témoignage aussi. Oui, l'écriture est quelque chose de très important. Je crois que une des raisons de la méfiance à l'égard de l'histoire, ça a été ce qu'on appelait le linguistic turn. C'est-à-dire cette idée que l'histoire n'avait pas de lien avec la vérité puisqu'elle n'était que récit, que écriture. C'est pas ma conception de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est aussi l'écriture, c'est-à-dire que dans l'opération historiographique, vous avez, en fait, vous posez un certain nombre de questions. Vous cherchez les moyens de répondre à ces questions. En histoire contemporaine, c'est principalement quand même les archives et effectivement les témoignages, qui ne sont pas forcément les témoignages suscités dans les enquêtes orales, qui peuvent être les ouvrages de témoignages. Vraiment. Et puis le témoignage peut être défini de façon très large. Et vous commencez à comprendre, vous avez des questions, vous commencez à avoir une compréhension de la question qui vous intéresse.
et après, il faut rédiger. Donc c'est une mise en récit. Et c'est quelque chose qui est important, cette mise en récit, parce que c'est ce qui fera de votre histoire quelque chose que l'on pourra lire ou pas. Et je pense qu'il y a eu pendant quelques dizaines d'années l'idée que l'histoire était une science, que l'histoire n'était pas une science humaine, qu'elle n'appartenait pas aux humanités, et qu'on allait réussir à faire une histoire, notamment une histoire quantitative, et on a vidé l'écriture de l'histoire du récit. Et là, on retourne au récit, et enfin, moi j'ai toujours pratiqué le récit, pour moi, c'est pas un retour. Mais on retourne beaucoup, c'est ce que disent des gens comme Boucheron, comme Jablonka, qui est en train d'abandonner l'histoire, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Mais il y a un retour au récit. Et c'est vrai que le livre de Philippe Sand, Retour à Lemberg, qui est quand même un livre qui est fondé sur une vraie étude, c'est un récit, et ça fait comprendre beaucoup de choses. D'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions dans le public, moi j'en aurais une. Ah, si. Non, ça je savais que ça allait ouvrir. Bonsoir, ça marche ça ? Oui, non, ça fonctionne. Bonsoir, je suis enseignant, j'ai plusieurs fois été amené à conduire des élèves au musée d'Auschwitz. Je ne le fais plus. Et je ne sais pas pourquoi je ne le fais plus, je ne sais pas pourquoi je le faisais, et je voulais savoir ce qu'on fait d'Auschwitz aujourd'hui. C'est une grave question. Pendant des années, il y avait à peu près 500 000 visiteurs au musée d'Auschwitz. Aujourd'hui, on a dépassé les 2 100 000. J'ai demandé ce matin combien il y avait visiteurs annuels au cimetière juif de Prague. On m'a dit 600 000. Donc vous imaginez ce que ça fait, 2 millions de visiteurs à Auschwitz par an, si on considère qu'ils viennent rarement pendant les mois de très grands hivers. Donc ça pose un vrai problème, c'est qu'est-ce qu'apporte la visite ? Alors je pense que maintenant, les classes qui vont à Auschwitz sont très bien préparées et que la visite permet quand même de comprendre de mieux comprendre un certain nombre de choses. Mais je ne sais pas pourquoi vous y alliez avec des élèves de quelle classe, de quel âge, de classe. On est allé avec des troisièmes, c'est mon collègue qui est avec moi, tu me confirmeras. On est depuis troisième en général, donc des adolescents jeunes. Vous avez arrêté en quelle année? On est jusqu'en 2013, 2012, 2013, et puis voilà. Et c'est quoi que vous avez gêné, le monde? Tout et en même temps les mêmes questions. C'est-à-dire, c'était le monde, presque les déceptions des élèves qui s'attendaient à y voir des horreurs et qui étaient presque déçus de ne pas voir les cadavres, la difficulté qu'il y avait à trouver un endroit où les faire manger le midi, parce qu'on prenait toute la journée sur le site, comment faire manger des gens sur le site d'Auschwitz sans que ce soit une idée insupportable. Et en même temps, c'est un site merveilleux, c'est un site passionnant et fort. Et donc ne pas y aller, c'était pas non plus l'idéal. Donc en fait, je n'y vais plus, mais ça reste l'objet d'un dilemme. Voilà, donc je constate que vous. On a tous le même dilemme, peut-être, c'est ça le. C'est vraiment le monde, quoi. Le directeur du musée, Piotr Sivinski, a essayé de trouver des solutions. Alors, une première solution, c'est que les guides, maintenant, parlent dans des micros. Ça, c'est super. Voilà, donc ça veut dire qu'on n'a plus la cacophonie qu'il y avait avant. Mais c'est vrai que vous êtes au coude à coude, c'est-à-dire vous rentrez avec... je comparais avec les chiffres, avec le cimetière de Prague, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est des foules compactes. Alors maintenant, il faut s'inscrire très à l'avance. Et,
Et c'est quand même quelque chose de très étonnant, de très intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans les autres camps, Brunwald, Ravensbrück, Mauthausen, Bergen-Belsen, Dachau, c'est-à-dire tous ces camps qui sont aussi muséographiés et où les profs, ou le Struthof, hein, pour prendre le camp en Alsace, on n'a pas cette flambée des visites. C'est-à-dire que c'est vraiment propre à Auschwitz. Les gens veulent venir à Auschwitz. Et c'est vrai qu'ils sont déçus, les élèves, parce qu'ils attendent des émotions fortes. Et à l'exception peut-être parfois d'une émotion devant les vitrines, avec les objets, où il peut y avoir une émotion, le reste, ça ne suscite pas d'émotion chez eux. Et ils s'interrogent pour savoir s'ils sont monstrueux ou pas monstrueux, de ne rien ressentir. Mais c'est vrai qu'on ne peut rien ressentir dans un lieu comme ça. Et les anciens qui retournent, cette expérience leur est à eux-mêmes étrangère. C'est-à-dire que quand ils retournent, par exemple l'hiver, quand ils allaient l'hiver, ils ne comprenaient pas comment ils avaient pu survivre. Ils avaient froid, alors qu'ils sortaient de l'hôtel, ils avaient pris un petit déjeuner, ils avaient deux, trois damars, et ils ne retrouvent plus ce qui leur a fait survivre. Et ils ne retrouvent rien. Moi, j'ai un ami très proche, Henri Borland, qui y est allé, et il a été interrogé, donc il a dit, mais il y a à France Info, puis après il me dit, tu sais, j'ai rien connu. J'ai rien senti. C'est-à-dire qu'il y a un discours convenu qu'on fait pour les médias, alors qu'en fait, ils ne retrouvent rien, ils ne ressentent rien. Et ils ont l'impression que cette expérience est quelque chose qui leur est venu étranger. C'est quand même quelque chose de très, très curieux. Et j'avais juste une dernière question, mais qui va un peu. Qui a aussi cette réflexion sur. Justement sur l'émotion et donc sur histoire et fiction. Et le fait que justement, beaucoup, enfin certains se disent bah, je vais regarder un film, je vais lire un roman et je vais ressentir une émotion. Et je pense notamment au fameux livre en France, en tout cas, qui avait eu tant de succès Les Bienveillantes. Et alors ça avait bouleversé les gens qui avaient dit mais c'est atroce, alors c'est vrai qu'il y a des descriptions absolument horribles, monstrueuses, pour moi personnellement parfois de forme de pornographie, je dirais. Mais et on a ça aussi dans la recherche de films, voilà, c'est-à-dire voir des choses affreuses pour avoir le ressenti et le sentiment de culpabilité en creux parce qu'on n'a pas ressenti, alors qu'en fait, comme vous le dites très bien, durant tous ces entretiens, vous dites que c'est pas la question de l'émotion, c'est comprendre, c'est se souvenir, comprendre. Voilà, c'est ça qu'il faut transmettre, en tout cas comprendre. Mais il y a des. En matière de transmission, la littérature peut être. Primo Levi, Kertész. Il y a quand même une grande littérature. Aaron Appelfeld, qui vient de mourir aussi. Ou bien ici, Ernest Lustig aussi, c'est un écrivain qui compte beaucoup. Ouais. Mais il y a quand même une grande littérature. Il y a Maus, en BD, qui est formidable, qui est extraordinaire, et qui l'a fait. Il a publié il y a très peu de temps, enfin très peu de temps, quelques années, un méta-Maus sur la façon dont il a fabriqué Maus. Il raconte par exemple la façon dont il raconte comment il a dessiné les chaussures, comment il a dessiné les bâtons. C'est-à-dire qu'il a fait un vrai, il a fait un vrai travail de documentation, même si c'est l'histoire de ses parents et qu'il a fait sa BD Spiegelman à partir des récits de son père, de Gladek. Donc il y a plein d'outils. Et en matière de film, bon, alors il y a Shoah dont on a parlé, mais en entier, c'est difficile pour les élèves, c'est trop long. Mais on peut très bien passer une séquence, par exemple. Moi, les dernières années où j'étais prof, je passais la séquence de Jan Karski. Parce que
Yann Karski, c'était comme s'il nous emmenait, nous, à l'intérieur du ghetto. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas les élèves face au ghetto, c'était les élèves qui étaient conduits par Karski. Il y avait un tiers. Et il y avait à l'époque ce film sur Berne Belsen qui s'appelait un film qui avait été tourné à Berne Belsen, qui était sur le film qui avait été tourné à Berne Belsen. Et ça avait été introduit à la télé par Simone Veil. C'était les débuts des magnétoscopes. Et ça, c'était bien, parce que là aussi, il y avait un tiers. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui expliquaient comment ils avaient filmé. Donc j'ai toujours trouvé que c'était bien d'introduire les élèves avec quelqu'un d'autre qui introduisait. Dans le film, dans le livre aussi, c'est le Spiegelman qui interroge. Donc je pense qu'il n'y a pas de loi d'erreur, que ça dépend du talent de la personne, de l'honnêteté, de sa capacité à raconter quelque chose. Alors peut-être une toute dernière question. Děkuji, já mám poslední otázku. Ano, mám poslední otázku. Ta vlastně souvisí s tím osobním, ale i s tou distancí, o které se tady teď mluvilo. Mě by zajímalo, co vás osobně přitahovalo tehdy na té levici. A já vím, že je těžké jakoby zrušit tu distanci, která uběhla v tom čase, kdy to tehdy bylo, i vlastně distanci, kterou musíte mít jako historička, když to musíte nějak popisovat a přednášet o tom. Ale jestli existují tři věci, které vás vlastně k tomu tehdy táhly. Děkuju. D'abord, il faudrait nuancer le terme de gauche, parce que si je devais me définir aujourd'hui, quoique comme tout le monde ayant voté pour Emmanuel Macron, je me définirais encore comme quelqu'un de gauche, comme quelqu'un plutôt social-démocrate. Voilà. Donc c'est l'attirance pour cette gauche extrême. Donc je pense qu'il y a une question d'âge qui fait qu'à 20 ans on est plus facilement extrême qu'à 70. Et je pense que dans le rêve révolutionnaire, il y a le rêve de tout régler. C'est-à-dire la révolution va tout régler. Elle va régler le problème de l'antisémitisme, mais elle va aussi régler tous les problèmes personnels que vous pouvez avoir. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien d'être dans ce type d'organisation. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vous structure, c'est quelque chose qui vous donne des amitiés. Et moi, quand j'étais proche, j'avais remarqué le changement. Quand un élève se mettait à militer à l'extrême gauche, il devenait bien meilleur en histoire, surtout en histoire. Et il y avait quelque chose qui se structurait et qui l'aidait psychologiquement à se socialiser. Donc je pense que pour moi, ça a beaucoup joué. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, parce que c'est quand même une génération, c'est-à-dire que je ne suis pas un ovni, je suis cette génération, qu'on pourrait caractériser comme la génération du baby-boom, très nombreuse dans l'après-guerre, née dans les années qui ont suivi la guerre, la démocratisation de l'enseignement, c'est-à-dire des générations où il y a une grande différence sociale entre ce qu'a été la situation de nos parents et ce que nous sommes devenus, c'est un effet de génération, et pour ma génération, pour ceux qui étaient juifs de cette origine échkénaze, la génération née dans l'ombre portée du génocide, avec des trous, des grands-parents absents, des oncles, des tantes. Et quand on regarde ceux qui, une grande partie des leaders étudiants de 68, ils ont un profil qui ressemble un peu au mien. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui a joué. Et la désillusion, elle est chez pratiquement tout le monde, avec après des passages politiques différents.
des gens qui vont franchement à droite, d'autres qui restent quand même comme Daniel Cohn-Bendit, comme... quoique Daniel Cohn-Bendit n'a jamais été attiré par le totalitarisme, on va le mettre de côté. Voilà, donc je crois que c'est ça. Et il y a eu une illusion sans cesse recommencée, c'est-à-dire qu'il y a eu l'illusion de l'Union soviétique. Après, il y a eu l'illusion de Cuba. Cuba, c'était la fête, c'était le rhum, c'était le soleil, c'était la révolution joyeuse. Après, il y a eu la Chine. La Chine, ça a semblé... Il y avait aussi probablement un peu d'attirance pour l'exotisme, il y avait l'attirance pour... Et puis alors, ce qui a beaucoup joué chez moi, c'est l'idée que je ne comprenais pas, que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre, notamment dans les stations de Mao Tse-Tung, qu'il y avait un sens caché. Comme Mao disait, pour connaître le goût d'une poire, il faut la manger. Je pensais qu'il y avait un sens caché qui était hors de ma portée. Et vous savez, c'est un peu l'histoire du roi ému. Donc il faut beaucoup de temps pour se rendre compte que c'est... Là, ça veut dire... C'est rien. Mais on les connaissait par cœur. Et si cette question-là vous intéresse, je vous conseille un roman qui est Tigre en papier de Olivier Rollin, qui a aussi été Mao, et il y a beaucoup de citations de Mao, c'est un très bon roman, assez drôle, et avec une très bonne réflexion sur l'histoire aussi, sur la différence entre... Rollin dit, et c'est vrai, c'est que nous, on était reliés à toutes les luttes d'avant, le Front Populaire, la Commune de Paris. Donc nous, on était un petit présent minuscule, on prend l'image du sablier, relié à l'immense passé et qui avait un immense avenir. Et aujourd'hui, il dit, il n'y a plus que du présent, il n'y a plus qu'un Big Bang permanent, un fourmillement du présent. Il suffit, on va ouvrir tous nos portables et on va avoir Facebook, les mails, les alertes du monde. Donc, on n'est plus qu'un présent et on est plus relié comme ça aux gens du passé, donc à l'avenir. Donc je crois qu'il y a ça aussi qui nous plaisait. Je crois qu'on peut de nouveau vous applaudir et vous remercier pour votre visite. Également à Radka de nous permettre de venir aussi librement à la bibliothèque Václav Havel et nous remercions la bibliothèque Václav Havel de nous accueillir et tout particulièrement pour ce type d'événement. Merci beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Comme l'a rappelé Luc Lévy, l'heure d'exactitude est disponible et donc je vous engage vivement et vous retrouverez des éléments que nous avons évoqués ce soir. En vous souhaitant une très bonne soirée. Merci. Thank you.